Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Écoute, on a fait quelques raids hier. Il est possible que j'ai trouvé un petit Corvallus Gigamax niveau 70, 5 IV ou 4 IV, je sais plus celui-ci. C'est probable. Il est probable que j'ai fait les ajustements pour lui mettre les attaques. Bon, il a une tête de fer en Egg Move, ce qui est encore mieux du coup que aile d'acier ou aile de fer, je ne sais plus. Donc, probable que j'ai trouvé ça. C'est probable. Il est probable aussi que j'ai trouvé un Scolossandre Gigamax, niveau 70. 5 IV. Rigide de nature. Avec des attaques plutôt pétées. C'est probable. Probable. J'ai monté ensuite les Lézargus niveau 60 et Angoliath niveau 60. J'ai pris un Pokémon pour farmer le Pokédex. Et il ne nous reste plus qu'à monter le Dispareptile niveau 60. J'étais attendu parce que je sais qu'a priori il évolue au niveau 60. Et que je voulais que tu vois un petit peu l'évolution avec nous. J'ai quelques bonbons d'avance, hein, on va pas se le cacher. Voilà, j'en donnais 3 déjà, je pense que ça a bien monté. J'y vais à ton 30 000? C'est peut-être trop. Bon, ça va. J'ai eu peur que ce soit un peu trop. Et du coup, on va redonner. Ouais, on va y aller à tâton, on va y aller à tâton. Voilà, 59. On va redonner 1. Il faudra 2, je pense. On va redonner un dernier. À Dispareptile et on va pouvoir vivre l'évolution. Et vous allez voir, si vous découvrez sa forme sur le chat, moi je le trouve vraiment magnifique. Je pense que c'est un de mes Pokémon préférés de cette génération. Oh là là, Lensourien. Bon, le nom français, bof. Mais oh là là, ce monstre. Avec les deux petits bébés sur la tête, vous avez vu? Avec le dégradé là, oh là 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 là. Le dégradé sur tout le corps, incroyable. Je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Hop, Lensourien. Il paraît que les fantômes installés dans ses cornes attendent impatiemment le moment où ils seront propulsés à la vitesse du son. Fou! Il apprend quoi? Dracoflèche. Ah oui, c'est son attaque signature, je sais pas ce que c'est. Je sais que son attaque signature, mais je sais pas ce qu'elle fait. Oula, ça tape à 50. Déjà, c'est pas. Ça tape à 50, c'est physique. Le lanceur attaque en propulsant deux fantirmes. S'il y a deux adversaires, chacun d'entre eux est frappé par un fantirme. Mais du coup, ça fait 50 et 50? Ou ça fait juste 50? Parce que sur le papier, c'est pas. Pas dingue. Ah, je m'attendais à bien mieux quand même. Là, je. Juste 50, c'est du 100 de dégâts. Ça veut dire 50 x 2 sur 1. Bah, je sais pas du coup. Parce que c'est quand même écrit 2 fantirmes. Ouais, du coup, c'est. Ah oui, du coup, en fait, c'est peut-être. Il en envoie un, puis un autre. Vous savez, comme les attaques. En fait, c'est peut-être une attaque multi-coup, en fait. C'est peut-être une attaque multi-coup, mais s'il y a deux adversaires, ça fait qu'un coup sur les deux. C'est peut-être ça. Du coup, c'est sûrement mieux que Dracochoc. On va tester. De toute façon, au pire, Dracochoc, on pourra le remettre. Pas gênant. Intéressant, en tout cas. Intéressant. Salut Warwar, comment tu vas? Et du coup on est bon, je pourrais lui enlever les violites parce qu'elle ne sert plus à rien. Et puis je vais lui mettre quoi comme... Oh, putain, j'aurais dû penser à ça avant. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme objet? Est-ce que je vais passer 10 minutes à regarder les objets pour tout le monde? D'abord on va lui mettre le Grelocoque. On va lui mettre le Grelocoque. Même si en vrai sur lui c'est pas la folie. Mais au moins j'ai pas trop à y réfléchir. Voilà. Et donc on s'était laissé ici YouTube la dernière fois ou à peu près hein, évidemment. On doit découvrir la ville. Et moi j'ai plein de screens à prendre. Alors... Commençons par essayer de parler un petit peu à tout le monde. On essaie de faire ça rapidement. J'ai pas checké du tout entre les deux lives, hein. J'ai pas regardé du tout la ville. Et on voit un magnifique. Non mais magnifique Corvallus. Avec ses évolutions devant. Pourquoi je parle au Pokémon en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors ma souris elle dit quoi d'ailleurs? Ok. Alors j'ai écrit à l'est. Donc à l'est, ici, on va aller voir. Vélo. Salut Aquabrez, salut Basilia, salut Shizio, merci à vous de nous rejoindre. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et bienvenue évidemment, bienvenue. Alors j'ai cru voir une Pokéball à un moment, ouais là. On a vu une Pokéball, là on va aller voir ce que c'est. Quel plaisir le vélo, hein. Quel plaisir. Donc là pour nous, ouais, pour ceux qui débarquent sur le live, c'est normalement la session où je vais terminer le jeu et où on va faire le post-endgame, on va tout enchaîner. On devrait avoir la puissance nécessaire, normalement. Ok, ça c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, il y a un objet là, j'ai pas vu. Évidemment, on compte sur vous le chat hein, si je suis aveugle. Super bonbon, il y est pas.
Donc, je peux défusionner et hop. Yes. Yes, yes, yes. Alors j'espère que tu vas bien YouTube, j'espère que t'as kiffé ce let's play. Bon, il n'est pas encore fini exactement, hein, mais évidemment, on avance quand même bien vers la fin. Je pense que là, dans deux VOD, peut-être 3 grand max, ce sera terminé. Ma voix qui commence à crever. Hein. Mais tout va bien se passer, je te rassure. Un champi suave. Ah bah, il n'y a pas non plus. Du coup, hop, un champi suave. Yes. J'ai loupé un truc encore ? Non, j'ai déjà loupé un truc ? Mais non. Bonjour ? Merde ! Et qui quoi ? Il va prendre quoi ? J'ai pas compris. Il va prendre... Attends. Les capacités ultimes ! Qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? Est-ce que j'ai un truc sur ça, moi ? Oui, là. Ok. Capacité ultime. Mais du coup, c'est quoi les gars ? Ah oui, non, mais c'est pas les attaques nul à chier, là. Genre ça en fait des caisses, mais en fait c'est nul. Hydroblast. 150 c'est SP. Ça tape... ouais. Lanceur doit se reposer. Ah oui non, au revoir. Au revoir. Au revoir monsieur. Cet homme est un charlatan. C'était ultime. Ultime. Ultime, ouais, ouais. Ultime pour mourir, ouais. Alors je vais faire toutes les maisons. Il y a tellement de maisons. Au secours. Merci. Oh bah, moi il travaille à la ligue, ouais, c'est bien. Au revoir. Moi, je pense qu'en termes de niveau, on est bien. Vous m'avez dit, oui, 60, ça doit être bien. Après, si vraiment je vois que je galère, bah, je me mettrai 2-3 niveaux de plus avec tous les bonbons que j'ai eu. Et ça ira très bien, quoi. Salut le Mistral. Mistral gagnant. Putain, ma voix est en train de crever, quoi. Mais elle aura fait le let's play, c'est le principal. Salut Stone Frey. Désolé si j'arrive pas à dire bonjour à tout le monde. Hein. Salut Zéro. Je ne lis même plus ce qu'ils disent. On trouve où la sous-évolution de l'ansaurien. Moi j'ai trouvé dans un raid. J'ai eu beaucoup de moules. Je l'ai trouvé dans un raid. Sinon il faut la trouver au lac Quage, un truc comme ça. Lac Quage, lac. Merci la brioche pour le follow, bienvenue. Comme ça. Ah, alors lui il échange. On va prendre un skin de ça. Est-ce qu'il échange un bel de neige, voilà c'est ça, contre un Duralagon. Duralugon. Un Duralagon contre... Échanger contre mon... Je cherche à échanger un Dural... Ouais, donc c'est dans le même sens, ok, c'est bon. Bien vérifier ça. Donc c'est dans le même sens, c'est le même gars. Que vous soyez sur épée ou bouclier, c'est pareil. C'est vrai que les EV actuellement, c'est pas trop comment ça se travaille en dehors des objets récupérés. Bon, en vrai c'est les objets. Je pense qu'ils font ça comme ça, il n'y a pas de technique dans la nature pour farmer facilement les EV, mais il part du principe que tu peux farmer facilement avec les objets en fait. Parce que finalement tu peux te faire plein de thunes avec les raids. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? À en voir ta bicyclette fusionnée avec ton Motismar, j'en conclus que tu sais que Motismar aime se faufiler dans les machines. Tu veux savoir comment il fait, que dirais-tu de... Alors bouge pas. Bouge pas. Je change mon lead. Parce qu'à mon avis tu vas full Motismar. Après tout, pourquoi pas. Après tout, pourquoi pas. Allons-y. Vas-y. Vas-y, Michel. Murphy, l'employé de la ligue. Très bien. Vas-y, Murphy. Ah bah. Trop mignon, Motisma. Oh là là, il est trop bien. Il est vraiment trop beau, quoi. Il est vraiment trop beau. C'est mon Pokémon préféré de cette génération, vraiment. Dracoflèche, voyons l'animation. Ah oui, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Du coup, ça fait. Avec le stab, ça fait une attaque à 175 de dégâts. 250, pardon. Eh bah, pas mal. Hein. Eh bah, pas mal. Salut Fabio. Eh bah, plutôt pas mal. Je vous l'armée l'animation. Je vous l'armée. Regardez ça. Eh hey. Trop bien. Trop marrant. Oui, le dégradé de couleur, il est juste magnifique. Et le fait que le bout de sa queue soit transparent aussi, je trouve ça trop stylé. Pour le côté fantôme. Non, il est vraiment trop stylé. Celui-là, j'aimerais bien l'avoir en shiny, mais pour l'avoir en shiny, en dehors de le faire en Masuda, je pense que ça va être ultra galère.
Et par contre, Smash, je l'ai jamais vu. Je sais qu'il est dispo quelque part, quelqu'un l'avait trouvé, mais je sais pas où il est. Oh, je m'en suis. Hein. Je sais pas si ça va tuer en vrai. Ah si. Ah non, pas du tout en fait. Pas du tout. Ah, je l'ai apeuré. Le pauvre. Lac ouragan. Ah, c'est ça, lac ouragan, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Ah, il est aussi au lac ouragan. Ok, nice, merci. Salut Baka, comment tu vas? Oula! C'est quoi cette pause? Quel enfer! Non, qu'est-ce que je fais? Faut que je prenne un screen. Je confonds tout. Qui a su venir à bout de toutes les formes de l'espace aura profité de son catalogue de compétences. Un moitié catalogue? Un catalogue présentant divers appareils ménagers. Ah! Ils ont vraiment simplifié plein de trucs. Du coup, vous pouvez changer maintenant votre la forme de votre motisma avec un objet. Intéressant. Salut Luxem, comment tu vas? Oula! Oulala, il va se faire des boîtes, le gamin. On va aller... Alors, ici, ah si, il y a un escalier, ok. Allons voir ce qu'il se trame par ici. Il y a un objet là. Pépite. Je crois qu'elle était notée, la pépite. Eh ben non. Je viens de vérifier. Yes. Je suis trop content d'avoir farmé le dragon, en vrai. Trop content. Je voudrais juste trouver deux ou trois attaques plus intéressantes. Un tas de boue noire. Ça, par contre, c'était noté. Deux attaques intéressantes, plus intéressantes pour lui. Mais en vrai, c'est stylé. Je suis un peu paumé dans cette ville, là. Donc là, c'est un... Ok, pour les cheveux, là on sait pas. On peut rentrer là? Ah non, on peut pas. Connerman. Ah, magasin! Magasin des vêtements! Boutique des vêtements. Bonjour! Ah. Ah. Ah! Ah, la roche elle est... Ouais, mais... Pff. Combien? 111 000. Oh non, mais non, mais... je l'aurais bien acheté, hein. 111 000. Oh non, mais non, bah tant pis, hein. Ah, tant pis. Non, tant pis. Attends, 111 000, ça va, oui. J'ai besoin de mon argent après pour faire des trucs, moi. Oh, c'est dégueulasse. Au secours. C'est immonde. Legging à motif. Quoi? Hein? Ah, on le voit pas du coup. Mocas. Oh là là. Ah, c'est genre des New Rocks. Ça s'appelle pas comme ça, ça? Au secours, c'est immonde. Je serais resté avec mes vêtements du début. Du début à la fin, quoi. Ah, enfin! Je vais acheter le sac noir du coup. C'est au moins ça. Ah, j'hésite. Combien? Mais putain, mais merde! Ils peuvent pas faire des sacs moins chers! 89 000! Ah, mais là, non, mais là, c'est infini quoi. C'est, tu te balades. Oh là là, quel. T'as 480 000. Oui, mais j'ai besoin de ma thune! Bon, on préfère celui-là ou le sac tout noir? Ou le sac de sport tout noir? Je sais pas dire. Le sac de sport, ça fait un peu kiki quand même. C'est vrai que c'est du cuir. Pas bien le cuir. Aïe aïe aïe, je préfère l'autre. Là il fait très carré quoi. Il fait très grenadier quoi. Pour les casquettes, on sait que c'est mort. Hein. Un béret. Ouais, pourquoi y'a rien qui m'inspire au niveau vêtements? C'est terrible quand même. Hein. Tu sais que c'est un truc que j'attendais quand même en me disant bon, ça va être cool en vrai, personnalisation, mais. Mais en fait, bof. Non mais les chaussures en vrai, non mais c'est pas possible, je peux pas mettre ça. 55 000.
Mais faut que j'ai envie quand même de personnaliser un peu plus mon perso, le changer un petit peu quoi, parce qu'au bout d'un moment ça commence à se voir. Mais la veste en cuir quoi, je peux pas, 111 000, au secours quoi. Au secours. Non mais tant pis, je vous dis, je vais garder les mêmes vêtements, hein, c'est pas grave. Pas grave, tant pis. Hein. Acheter ça et puis c'est tout. Tu formes après. Voilà, bah, tant pis quoi, voilà. C'était la dernière boutique et y a rien qui me va quoi, c'est. C'est horrible, putain, on dirait un grenadier quoi. Ah, c'est pas encore le Black Friday, calmez-vous. Est-ce que j'ai besoin de faire un screen pour le magasin d'ailleurs? Je crois que non. Excusez-moi. Hop. Ici on a un café du coup. Un café, combat. Je vais mettre et une boutique. Ce sera plus simple. Et une boutique. Hop, dans la partie ouest de la ville. Monsieur va me proposer encore un combat avec des Pokémon niveau 1 milliard ou ça va aller? Non mais le sac, enfin pour moi vraiment, je le dis encore une fois, c'est mon avis depuis le début, avant même le début du jeu. Pour moi le sac du personnage masculin, c'est juste pas possible. C'est forcément dégueulasse en fait. Le mec se trimballe avec 4 parpaings en fait sur le dos. C'est pas possible. C'est pas possible. Merci Nono pour les 1 an de sub. Attends, attends Nono, je te mets ta musique. Quand même pour les 1 an, mais la musique. Merci Nono. Merci beaucoup. Merci Nono. Et re-bienvenue à toi. Merci pour les 1 an. Yes. Oh, YouTube, je sais ce que tu te dis, hein. Tu dis que c'est un peu décousu, mais. Ah, ils sont typés, enfin, je suis très content du coup. Hein. Très content d'avoir lead. Non, mais en vrai, si je fais L d'acier, ça va jamais marcher. Hein. Ça va jamais marcher. Fouet de feu. Niveau 70, eh, il va mourir, hein, c'est sûr. Attends, c'est bon, au bout d'un moment. Scolosandre level 70, ouais. On a fait un raid hier, j'ai eu un Scolosandre Gigamax. Niveau 70, 5 IV. On a farmé un petit peu, On a fait pas mal de raids pour le trouver. Ah, il est pas décédé. C'est lui qui a fait coup de main? Ouais, oh là là, oh là là. Ce move! J'étais déjà à 1 an le mois dernier. Ah, mais c'est parce que ta date de resub doit être différente de ta date d'anniversaire. Du coup, tu vas sûrement passer à 13 mois, genre là, dans quelques jours. C'est certainement ce qui va se passer. Tu verras. Twitch est un petit peu bizarre à ce niveau-là depuis qu'ils ont remis à jour les subs. Mon cadeau c'est quoi? Non, mais tout ça pour. Désolé YouTube! Désolé YouTube, je pensais que j'allais avoir un truc bien, en fait non. Je me suis fait eu. Bonjour? Du mal à gérer mes frères et sœurs. Ah! Fâché! Fallait pas avoir de frères et sœurs? Qu'est-ce que je te dis? Donc là on revient sur la grande place, ok. J'ai réussi à avoir des entrées pour ça, bien vite. Rappel max. C'est bon, c'est noté. Ensuite. Donc je suis pas allé dans ce gros bâtiment là. Et normalement j'ai fait le tour de la ville. Normalement c'est bon. Salut Derhug, comment tu vas? Ah c'est une gare en fait. Quoi cette porte? Alors ça c'est si c'est pas une porte pour plus tard faire des events. Moi je m'appelle pas Holo. En deux mots hein, pas Holo, pas Holo. J'ai rien contre les pas Holo, hein. Aucun problème. Et le traquenard cette vidéo. Attends. Attends. Ah, c'est une tour en fait. Je comprends rien, moi je comprends rien, je suis hors texé. Allez, RT le tweet d'annonce, allez prévenir les gens qu'on est en stream, on compte sur vous. Ah, mais d'accord. Putain, il y a le retour du cuisinier maudit. Le pauvre. Putain, il m'a fait tellement rire la dernière fois. Il était excellent. Enfin, quoi exactement? Moi je m'occupe du Pokédex. Bah là, on termine le jeu. Et après, oui, on fera le Pokédex. J'ai l'impression d'avoir capturé beaucoup de Pokémon alors qu'en vrai, bah on a que 130 quoi, c'est si peu. Comment ça? On peut être déplacé dans la ville à partir de ce truc là? Genre on peut être amené paf de l'autre côté de la ville. On se rend sur combien? Ah ah! Ah ah!
Alors, je sais... Alors, le stade, il est là. Le stade, c'est où on doit aller. Donc, on va pas y aller maintenant. On va aller d'abord de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est, ce gros bâtiment là-bas. Bon, y a Big Ben, évidemment, mais... Ok. Bon, j'ai le stade. Ok, ok. Bonjour. C'est quoi ici? Dites-moi qu'on peut au moins rentrer dans le bâtiment, hein, parce que sinon je... Ah oui, ok, ah oui, on atterrit là comme ça, quoi. Un ballon. Putain, c'est mon ballon. Ah, c'est mon ballon. Bon. Bon, stratégie, ça. Ah, ah, ah. Bonjour, on peut changer de maison, on peut pas... On était à 42 dessus. Il ne fléchit pas. Et ils se sont fait plaisir quand même, les traducteurs, je crois. Hein. Donc ça, c'est quoi? C'est un hôtel? On sait bien, on a plus que l'hôtel à terminer et on sera bon en fait. Trop stylé. Trop stylé. Ah, il y avait un objet, je crois. Je crois qu'il y avait un objet. Je crois. Attendez, je vais voir. Pas un objet là? Je crois voir un truc briller. Alors que se passe... Bonjour. Imagine pas à quel point le travail de portier peut être terrible. Les clients vont et viennent à longueur de journée, on n'a pas le droit à l'erreur. Je me fais d'ailleurs assister par un Pokémon, très bien. Ah oui. Oh, l'hôtel, l'hôtel est si chaleureux. J'adore. Je vais aller faire un tour au spa. Alors, bonjour mademoiselle. En fait, mon bilingue se fera plaisir de lui porter assistance. La ligne est à votre service, merci. La rose de Windscore, dont elle 5 étoiles, est réputée dans le monde entier. Tout le client l'adore. Le sourire, toujours sourire. On peut pas... On peut pas prendre l'ascenseur. Très bien. Bah du coup, y'a rien à faire en fait. C'est juste une zone morte. Ou alors j'ai loupé un truc, mais visiblement c'est une zone morte. Pour l'instant. Vite. Ah, j'aurais pu prendre l'ascenseur pour me déplacer de l'autre côté direct. Oh le con. Le stade. Allons au stade, dépêchons-nous. Oui. Hop. Ah mais il y a encore un seul Pokémon ici. Screw. Tellement de choses. Oh, il y a encore des étals. Oh, ils vendent des CT et tout, je suis sûr. Tu vois. Tu vois quoi toi? Produit dérivé, si. Ah, des cartes de ligue. Ah mais d'accord. Ok, monsieur. Ils vendent rien en fait. En fait c'est pour faire genre mais ils vendent rien. Ok, boisson. Voilà, tout le monde, c'est infernal. Ok. Le centre. Tout ce qu'il y a de toute façon. Ah. Ah. Capsule vitesse plus. Est-ce qu'on a la capsule vitesse plus? Est-ce qu'on l'a? On ne l'a pas. Capsule vitesse. Oh là là, j'espère que tu m'en veux pas, YouTube, hein. Beaucoup de choses à noter là. Visiblement, c'est la première que j'avais d'ailleurs. Intéressant. Et donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ok, bonjour. Lui, il vend des CT, c'est évident. Voilà. Et du coup, là, faut que je fasse un screen, deux screens. Et que j'aille foutre ça là-dedans. Tac, 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 tac. Ok. Il faudrait que je dise noter, genre. Quand je mette ça. Ouais, non, Osef. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'âme solaire. L'âme solaire, 125. Lanceur sur la lumière au premier tour et attaque au second. Ouais, c'est lance-soleil, mais physique. Ok. Vampi-point. Ah, vampi-point, c'est trop bien. C'est une CT là. Un coup de poing qui draine l'énergie. Oh, attendez. Oh, je l'achète. Je l'achète pour la seule raison. Attention, hein, parce que s'il la prend pas, pour la seule raison que si Angoliath la prend, c'est monstrueux. Regardez ma déception. Il la prend. Ah bah d'accord. Et bah d'accord, bah ça va remplacer Casse-Brique, mais tout de suite en fait, donc très bien. Salut Benji, comment tu vas depuis le temps? Salut. Salut, salut. Hop. Putain, il a pris mon petit point. Oh là là. Oh là là. Point de feu, point glace, point éclair, bon ça, pas trop besoin, ultra laser, giga impact, permu force, permu garde, ok.
Plein d'affaires ici, tout ça c'est bon, on va parler au monsieur là, et puis on est bon, hein. On va pouvoir aller là où ça nous intéresse, 24 minutes après le début de la vidéo, yes. Je suis reviens à la chasse, nice. Sur le nouveau jeu ou quoi? Ou pas du tout du coup? Regardez un coup. On va sauvegarder. Voilà, notre équipe elle est au taquet. Hein. Salut Zedux, comment tu vas? Mais ce monstre, ah non mais ouais, mais Vampy Point là par contre sur Angoliath, c'est abusé. C'est abusé, en strat ça va être dégueulasse. Je vous le dis, hein. Ça va être immonde. Ah, il y a une BL. Roll masqué. Une rêve ball. Ah, une rêve ball, vraiment? Ah, c'est marrant ça. Donc ça veut dire qu'on pourra légalement capturer des Pokémon dans des rêve balls dans ce jeu. Trop bien. En vrai, je trouve ça stylé. Ah, c'est ma fan. Eh, son Pokémon, il a évolué. Oh, faut aller par là, lui. Non. Ah, il y a la demoiselle. Eh, mademoiselle. Ils me donnent rien, eux. Je suis obligé de parler à tout le monde. Hein. Je suis obligé. Une fois Dynamaxé, c'est bien pour les raids. Et pas la contrepartie. L'attaque est naze, tu parles de quoi? Vampy Point? J'espère que tu parles pas de Vampy Point. C'est quoi, j'étais premier inscrit. Premier, tu crois que c'est un signe? Moi, ouais, premier inscrit, premier sur le podium. On va se calmer. C'est parti! Bienvenue, Holo. Nous avons suivi votre performance tout au long du défi des arènes. Permettez-moi un instant de vérifier votre sélection de badge. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis prêt à t'affronter. Par contre, je crois que Travis ne sera pas de la partie. Enfin, ça reste à voir, quelque chose me dit qu'il a pas dit son dernier mot. On verra bien, viens, allons poser nos affaires au vestiaire. Salut Alan, comment tu vas? Tous les challengers qui ont réussi le défi des arènes face aux champions participent au tournoi des médaillés. Si vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez vous rendre sur le terrain du stade. D'accord. Donc là, on est sur le tournoi des médaillés, donc on va rencontrer tous les gens. Je répète ce qui vient de dire pour qu'on comprenne bien. On va rencontrer tous les gens qui ont réussi à avoir les 8 badges. C'est l'idée. C'est la musique qui est cool. Que 4 dresseurs avoir réussi le défi des arènes. J'ai hâte de voir lequel d'entre vous va triompher des autres. Dirigez-vous vers le terrain dès que vous serez prêt. Bah, je suis prêt, hein, j'ai pas eu de combat juste avant, donc go. Hein. Go, au niveau de la Solus. Ok, on est bon. Salut Alan. Merci à tous ceux qui nous rejoignent, évidemment. N'hésitez pas à aller RT tout ça, hein, liker, commenter, les réseaux sociaux, vous savez comment ça marche. Pour essayer de ramener des gens, wiper tout ça, c'est juste en qui. Et on est parti du coup pour le tournoi des médaillés. Et on se bat contre Rosemary. Rosemary qui a quoi comme numéro de dossard d'ailleurs, j'ai même pas vu. 960. Moi, je savais que tu raflerais tous les badges et qu'on se retrouverait ici. À la base, je me suis inscrite au défi pour mon frère et pour Smashings. Mais au final, c'est surtout pour moi-même que j'ai envie de devenir maître. Donc ton équipe et toi, je vais vous remballer presto. Enfin, gentiment quand même, hein. Merci, Rosemary. Yes. Musique. Musique. Ça fait les caisses. Léopardus, ok. Mon lead c'est quoi déjà? C'est pas le dragon? Aïe aïe aïe. Quel mauvais lead. Mauvais lead du joueur français. Très très mauvais lead. Je vais te battre et devenir maître. Ouais, calme-toi. Ouais. Ok. Donc très mauvais lead du joueur français. Je lui ai même pas pris demi-tour en plus à mon machin là. Alors que sur lui c'est goldé. Je sais pas ce que j'ai fait. Après en vrai je suis niveau 60. Peut-être que Draco Flèche ça suffit. On va jouer correctement. On va arrêter de faire le con à chaque fois. Faire le sac à merde. On va partir sur Angoliath. Salut Headhunter. Mais évidemment que les chaînes sont rares. Évidemment. Évidemment. Salut Picanil, comment tu vas? Ah, machination. Machination très bien. Mais là tu vas prendre une attaque. Le jeu est beau hein, merde. Je réagis maintenant mais le jeu est beau hein. Choc émotionnel. Ah, terrible! Elle aurait dû attaquer avant de mourir. Salut Xenosis. Bonjour. Elle va décéder. Au revoir. Merci de passer. Jamais il tient. Ouais, jamais, à aucun moment. Je suis content de mon équipe. Je suis vraiment très content de mon équipe. Franchement, elle est bien. Il me manque un sixième Pokémon. Parce que j'ai toujours gardé un slot pour entraîner des Pokémon. Pour le Pokédex. Mais je suis très content de mon équipe. Donc là, Quatox.
Quatox, Corbeus. Let's go! Mon Corvallus niveau 70, Gigamax, 5 IV. Ou 4, je sais plus. Dégueulasse! C'est dégueulasse, monsieur. Mais pas des W. Pas des W quand même, fallait pas abuser. On va Blackbrill. Ça m'a tué. Super efficace, j'ai 13 niveaux d'avance. En vrai, je vais être hypé de refaire le jeu de mon côté, je pense. En vrai. Donc là, on est sur un électrique ténèbre. Donc je peux partir sur Angoliath et choc émotionnel. Je vous dis Angoliath, Angoliath trop fort en fait. Angoliath trop fort pour ce jeu. T'as séché le jeu. Ouais, j'ai séché le jeu, Dark Pépé. Tu lâches Camille. Ouais. Ouais, ouais. Sachant que après l'histoire du jeu, enfin là, on termine le jeu. Après, on fait le post-endgame. Et après ça, on. Je pense qu'on complétera le dex, on verra peut-être pour chasser un peu, mais en tout cas on va compléter le dex, je pense, en priorité. Ça sera cool, je pense. Ça permettra de discuter un petit peu. Tourmenté. Tchè ! Et paf ! Adieu ! Je l'ai envoyé là sur la lune, il est parti, mais... Ouais, ou des raids, on pourra faire un peu de raids aussi, de toute façon il me faudra des bonbons, donc... Les raids seront pas exclus. Ah, Bagaïd hein. Bagaïd, ah, il prend x4 sur les attaques faites. Hein. Ah mais j'ai fait... Oui, il a fait tourmente. Bien joué, Tu m'as eu. Tu m'as bien eu. Mais j'ai vampi point. Du coup, en vrai, ça devrait fonctionner pareil. Je pense que tu vas voler sur la lune. Peut-être pas. Salut, Lucius. C'est moi qui ai beaucoup XP, ouais. Enfin, je me suis donné pas mal de bonbons. Enfin, encore que ça va, je trouve. En vrai, j'ai pas de temps farmer que ça. Ah non, mais là c'est fini. Hein. Au revoir. C'est qui la solution de ton Pokémon? Grimalin. Grimalin, Fourbelin et Angoliath. Du coup. Angoliath. Ah, elle a un Angoliath aussi. Est-ce que je suis encore sous Tourmente? Sinon j'ai Corvallus. Hein. Corvallus tête de fer et on est bon. Hein. Allez. Je viens avec nous faire des raids au lot. Mais non, mais faut que je complète le Pokédex en vrai, faut que j'avance. Hein. T'as vu ma question précédente? Si je n'y ai pas répondu, c'est que je l'ai pas vu. Du coup. Angoliath! Attendez, si elle. Si, alors, c'est son Gigamax ou pas? Je sais pas si c'est son dernier Pokémon. Putain, c'est son Gigamax, c'est tellement bien. Oh là là! Mais c'est la waifu en fait. Hein. C'est la waifu. Mon dieu. Bah c'est parti pour en faire des caisses. Hein. Gigamax sont tous les deux. C'est parti. Aucune idée, Noumania. Salut Jojo. Mon Corvallus Gigamax. Oh là là. Oh là là. Oh, regarde mon désir. Et là ça part sur une Gigamax. Enfin un Gigamax de Angoliath. Vous allez découvrir la forme Gigamax de Angoliath. Oui monsieur, oui madame. Angoliath Gigamax. Ouais 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 ouais. Ouais 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 ouais. Au revoir. 1 minute 30 d'animation pour une attaque. Ah désolé Ah désolé. Je voulais pas le déboîte mais voilà. Wow. Tchè. Tu m'as mis une de ses raclées. J'avoue, tu te débrouilles. Meurs. Gros salaud. T'as vu ça un peu? Tout le monde nous regardait. Les cris de soutien des supporters, ça fait plaisir. J'ai perdu, ouais, c'est la vie. Mais bon, on a grave mis le feu. Moi je dis on a assuré. Je vais rejoindre mon frérot dans les gradins. J'ai hâte de voir qui terminera devant le maître. Faut que je me fasse une idée des autres challengers. Je sais pas encore qui je soutiens. Toi?
Peut-être. À voir. Eh, sois sympa, hein. C'est bon, hein. Ouais, holo. Rendez-vous au dernier round. Je vais tester ton combat, je suis sûr de gagner. Je peux pas tester contre mon équipe. Ouais. Allez. Tu m'as déglingué. Ouais, bof, tu te débrouilles, quoi. Ouais, non, c'est ok, t'as... Voilà. Ah, toutes mes excuses, mais... Je sais que vous venez à peine de terminer votre combat, mais le combat précédent a tourné court. Le challenger Nabil a vaincu son adversaire à la vitesse de l'éclair. Si vous pouviez regagner le terrain de combat au plus vite pour enchaîner... Ouais... Je me soigne entre les deux ou pas? Ou je suis soigné? Est-ce que j'ai encaissé une attaque à un moment donné, en fait? C'est la vraie question. Bon, on est soigné, ok, on est soigné. On est soigné. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ok. MCTV. Ok. Mais non, pas mon vélo. Je veux sauvegarder. Au cas où, on sait jamais, ça pourrait mal se passer. Je vais changer mon lead. Je vais y penser, là. Je vais penser à changer mon lead, regardez. Je vais mettre Angoliath en lead. Voilà. Et je prie les gars. Non mais c'est ça, est-ce que je me suis fait toucher une fois, je me souviens même plus. Et du coup c'est bon, j'ai vérifié les pp. Let's go. Et tu te souviens quand on est parti de Paddock Town, le frangin venait tout juste de nous donner le Pokémon et maintenant on est là, à deux doigts d'entrer dans l'histoire. Je m'étais promis de devenir le maître en partant, c'est le moment de vérité. Ça me rappelle un peu la musique de Tilly quand même, hein. Un petit peu. Ouais, il a bien travaillé son lancer de bol, hein. Waouh. Waouh. Numéro 666 avec Angoliath, juste RP. Mais oui, on fait ça, voilà, on est des professionnels, nous. C'est passé chez moi dans le jardin, on a fait du chemin. Ah bah ça, ouais, en 3 jours, c'est fou quand même. Alors. Ah non, mais là, avant petit point, c'est fini. Hein. Au revoir. Ah, quoique, il a peut-être boule de poil. Ça n'est pas suffisant. Mais putain, il nous faut encore chier avec l'attaque super efficace. Mais quel enfer. Évidemment que j'ai utilisé l'attaque super efficace, je suis voilà, dans le tour des médaillés, gros con. Comme terrible. What a pick, vous m'avez dit, c'est électrique, juste électrique, je crois. Ah merde. Ah, j'ai cliqué sans vouloir. Oh le con. J'ai cliqué sans vouloir, j'ai pas touché. J'ai dit bonjour VIP. Je sais même plus. Ouais mais là j'ai fait le mauvais choix, je voulais switcher moi, bon choc émotionnel. J'aurais dû jouer Grand Obscur en vrai. Je connais pas le talent de Watapik. Oh! Il a tenu! Salaud! Direct toxique. Oh waouh. Salut Reaper! Comment tu vas? Vivre sûr. Voilà, il va utiliser. C'était sûr. Salut Azer! Je viens de rentrer des cours. Ça va tout le monde, ça va et toi? Hop, deuxième vibre obscur, on n'en parle plus. Voilà. Hey! Corbaillus. Voilà, voilà. On se colle au cendre. Est-ce que c'est... Mais vraiment, les Argus, mais nul. Enfin, y a rien, quoi. Il est là, mais je m'en sers jamais. C'est incroyable. Corvaillus, Scolossandre, allez, c'est parti. Salut Laura, je parle de la Vindex en 6G pour le charme, c'est un enfer, courage. Bon, tant mieux si je t'ai déjà dit bonjour, VIP. Au mieux deux fois que zéro. Nice Azer. Eh ben, ça me fait plaisir. Mais non, mais c'est vrai que là, la différence de niveau, elle est quand même un peu vénère. Au secours. Sblee. Au revoir. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, franchement, les Argus, nuls, hein. Faudrait vraiment que je leur tire mon équipe, en fait. Faudrait que je trouve un Pokémon haut qui me plaît vraiment.
Ouais, si, en vrai, un Pokémon eau, ou plante, non, pas. Ouais, si, plante, roche, sol, un truc comme ça. Bon flex. En Goliath, c'est le moment. Salut Gifred. Mais ouais, franchement, les Argus, il apprend rien de fou. Hein. Nigosier. Je sais même pas où il est, Nigosier, je l'ai même pas vu. Un petit point. Je pense pas que ça va tuer. En vrai. Ouais, voilà. Bon, il y a plein de PV. Yes. Tacle lourd. Je vais avoir très mal. Genre très très mal. Ouais. Si vous prenez en compte la différence de niveau, ouais, j'ai pris ultra cher. Hop. Un bon Pokémon plante, ça s'appelle Wistempo. Et Pyrobut. On va envoyer les Argus. En fait, les Argus ne m'aura servi qu'à buter le starter de mon rival pendant l'aventure. J'exagère un peu. Un peu. Un chouïa. Peut-être. T'as parlé là pour moi. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Mais pas de problème. En vrai, est-ce que je le disrespecte totalement? Non, je vais tellement le disrespecte, mais totalement. Mais totalement. Je le disrespecte, mais à 1000%. Je suis pas sûr de moi, hein, mais on va essayer. Ah, embroché, ouais, embroché peut être pas mal. Et non, c'était DT, pour l'instant j'ai pas eu grand chose d'intéressant sur lui. Bon, je vais tenter de le disrespect, mais complet quoi. Si ça passe, c'est génial. Ah, dommage, j'aurais voulu le one shot. Il me manquait quelques niveaux. Il me manquait quelques niveaux. Allez! Zblu! Ah, il m'a outspeed, tiens. Ah ouais, c'était pas fou, hein. C'était pas fou, ça. Hey! Pour parler, il y a un Pokémon qui s'appelle Pour parler. Au secours. Oui, il est vénère. Oh, merci Holo. Je suis content qu'on ait pu le faire ensemble, cette finale. L'affrontement des challengers ayant remporté le défi des arènes prend fin. Et la victoire du tournoi des médaillés revient à... Holo! Tu te souviens quand Sonia nous disait qu'on deviendrait peut-être des héros? Pour être honnête, je m'en suis jamais senti capable. Mais toi, tu vas accomplir de grandes choses. Je le sens. Bravo à toi Holo, et en Goliath et toute ton équipe. Ouais, pas... toute mon équipe, mais pas pas les Argus, hein. Non, les Argus, c'est un Pokémon à part, quoi. Pas dingue, pas dingue. Waouh! Waouh! Oh là là, mais moi je vois ça en vrai, mais je suis mort de rire. Moi je vois un pote faire ça, je me fous de sa gueule, hein. Quel enfer! Holo, Nabil, bravo, splendide combat. Franchement, j'ai été ému jusqu'aux larmes. Quand je repense à tout ce que vous avez accompli tous les deux, en 3 jours seulement, vous venez du même village. Vous avez construit des équipes formidables, en partant de rien. Et vous venez de vous affronter en donnant tout. Cette soif de victoire, ce refus de baisser les bras. Le spectacle que vous nous avez offert, c'est la quintessence du combat Pokémon. Dire qu'il y avait des dresseurs qui doutaient de vous au début et qui refusaient de vous recommander. Ouais, genre toi, t'as oublié ou quoi? Oh, ça va, je me comprends. Moi, je donne tout quand j'affronte un challenger. Et qui sait, peut-être que cette fois le challenger, ce sera Holo. En tout cas, je l'espère. Ouais Holo, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Par contre, je sais pas pour toi, mais moi je suis vanné, je rentre bien me reposer à l'hôtel. Je rentrerai bien me reposer à l'hôtel. Et il faut refaire le plein d'énergie avant. Tenez, je vais vous inviter au restaurant. Ouais, je me méfie avec toi. Pardon, mais t'as des goûts déplorables pour la nourriture. Donc t'es gentil, mais le resto, c'est moi qui le choisis. T'as le gars quoi. T'as le mec.
Son frère lui offre le resto, il est encore en train de râler quoi. Salut Varius, salut Space Raccoon. Bonsoir. Salut Bia Bia. Bonjour. Bientôt la fin du jeu. Pas que j'oublie de prendre des screens. Est-ce que j'ai réussi à prendre sans la bulle de texte? Ouais, excusez-moi, quelques secondes. Oui, je suis un monstre. Challenger Holo. Ouais, Challenger Holo, un instant, je vous prie. J'aimerais vous poser quelques questions si vous avez une minute à m'accorder. Tarak, le grand maître, a recommandé deux challengers cette année, Nabil et vous-même. Vous étiez donc rivaux en quelque sorte. Comment vous sentez-vous après cette victoire? Eh ben, je suis super content. Hein. Non, on va être sympa. J'ai encore du mal à réaliser. Ah oui, je vois. Qu'est-ce que vous dire à Nabil en cet instant? Tu es un dresseur extraordinaire. J'aurais pu espérer de meilleurs rivales. Merci bien sûr pour ce match exception. On va lui dire, ouais, je n'aurais pu espérer de meilleurs rivales. Ouais. Ce respect que vous lui portez, même après la victoire, est assez émouvant, je dois dire. Et maintenant, est-ce que vous pensez être en mesure de remporter le tournoi des champions? Bah, bien sûr que je le peux. Bon, cette question, vous voyez bien qu'il est épuisé. Et vos questions, elles sont bien reloues. On est pressé, mon frère nous attend. Donc si vous voulez bien nous laisser, ce serait cool, merci. D'accord. Mais comprenez que tout Galar se passionne pour la naissance de cette nouvelle star. Le mec, il est deg. Le mec est deg, quoi. Oh, et même en fait... mais en fait, ça a l'air trop galère d'être célèbre. Je me demande bien où le frangin est passé encore. J'ai faim, moi. Putain, mais il est chiant. Salut, Sidoum. Quelques heures plus tard... Il est super en retard, j'ai méga faim. Normalement, il tient toujours ses promesses. Exemple type, il m'avait juré qu'il deviendrait maître, et bah il l'a fait. J'aimerais bien qu'il prenne aussi les promesses du resto au sérieux. Ah putain. Ah, tu te calmes jamais, en fait. Ah, si tu mettais autant d'énergie à te battre qu'à pester contre ton frère, tu irais loin. Oh, ça va, merci, je suis au courant. Mais t'es plutôt mal placé pour me donner le son, Peterson. T'as vu ta dégaine? Ah, si tu juges les gens sur leur apparence, ça m'étonne pas que tu te vôtres. Et si vous cherchez le maître, il est parti à la Sheroes Tower. Ah bon, pourquoi? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je l'ai croisé à la station du Monorail. Il m'a dit qu'il devait aller à la Sheroes Tower. Il m'a demandé de vous prévenir qu'il serait en retard. Mais c'était il y a un moment déjà. Mais qu'est-ce qu'il a allé faire là-bas? Et qu'est-ce qui lui prend autant de temps? Oh, ça m'inquiète qu'il tarde autant à revenir, ça lui ressemble pas! Peterson, est-ce que tu pourrais nous emmener là-bas? Moi et Holo, on connaît pas trop la ville. Il n'y a pas un frère pour rattraper l'autre. Vous passez votre temps à donner des ordres aux gens sérieux! Mais ouais, si Sheroes retient notre maître contre son gré, c'est grave! Ratez un resto, pas encore! Mais s'il nous prive du match ultime avec ses folies, ça va pas aller! Eh, hey, je dois avouer que je vous aime bien, vous deux. Je vais vous donner un coup de main. Laissez-moi siffler la team Yel, et vous allez faire un petit coucou au président. Un coucou musclé! Ouais, je crois que je commence à prendre goût à l'anarchie, à force! Ah oui, ouais. Influence man, quoi. Incroyable. Ouais, c'est Sheroes, ouais. Du coup, on est où? Là. Yes. Allons-y. Combien de temps? 48 minutes, tout va bien. Ah. Discussion peut-être? Oh mon dieu. Qu'est-ce que je fiche dehors? Je suis claqué après mon combat contre Holo. Avec la team Yel, Nabil et Holo ont décidé d'aller voir Sheroes. Allez viens, on va faire ça en famille. Oh putain. C'est beau, tout cet amour fraternel. Beau, mais inutile. Olive ! Le président... Ah bon. Le président Sheroes s'entretient avec le maître. C'est une audience cruciale. En conséquence, je ne laisserai personne les interrompre. L'accès à la Sheroes Tower est restreint. Seul le personnel autorisé et détenant une clé spécifique peut entrer le monorail pour y parvenir.
empruntée. Vous n'avez donc aucune chance d'accéder à la tour pour emprunter le pour importuner le président. J'arrive plus à lire, excusez-moi. Certes, j'ai bien confié une clé à un membre de confiance du personnel de la Ligue, mais jamais elle ne vous la donnera. Ne vous amusez pas de lui courir après, vous ne montrerez jamais la main sur cette clé. C'est pas la peine de me suivre, vous ne me trouverez pas. Vous ne me retrouverez pas. J'arrive pas à parler, hein. C'est terrible. On fait quoi? Bah ça craint, mais pas de panique. Ah non, la Timmy elle est là pour nous donner un coup de main. Oula. Oh super, on va trouver cette clé, je m'occupe de la zone devant le stade. On devrait peut-être aller à la place ensemble. Ouais. On va dire ouais. Parfait, on y go alors, faut qu'on trouve cette clé. Ah, salut Shiruda. Oh. Ah non mais ouais, le voice acting là, JPP hein. JPP hein. Faut qu'on retrouve l'employé de la Ligue à qui Lee va passer la clé. Je pense pas qu'il soit 10 000 à porter des lunettes de soleil aussi ragardes que les siennes. Ok. Ouh. Alors, donc là, il faut parler aux gens en fait. Bonjour. Ah mais en fait, si, ils sont vraiment 10 000 en fait. C'est ça le problème. That's the problem. Du coup... Non, lui, il est suspect là. Lui là, il est suspect là. Attends, je suis bien. Hop, le screen, la solution, c'est bon. Allô? Ah non, c'est la voix de Pumba. Putain, je sais plus. Allô? Ce type est super, hyper louche. Vas-y, dis-lui un truc tellement choquant qu'il n'aura pas d'autre choix que de se retourner. Tous les Pokémon sont pas dans le jeu. Quoi? Ah zut, je me suis retourné. Il est impossible de fuir. Bon, plus le choix, baston. Ça a marché, il s'est retourné. Seb! Au revoir, Miaous. Je me sens mal, là, d'un coup. Miaous, fou. Niveau 47. Au revoir, Miaous. Merci de passer. Sur la lune. Yeah, yes, on l'a mis en orbite. Trop bien, salut, souhaite ça. Salut Aijin. N'hésitez pas à follow hein, s'il y a des nouveaux parmi vous. On compte sur vous, bien sûr. Vous savez comment ça marche. J'ai tellement gagné 0 XP, c'était incroyable. Ouais, scroll sang, c'est parti. Ça fait un moment que je cherche comment attraper un Darumaron de Galar sur internet, mais rien. Peut-être que toi tu sais. Dans les terres sauvages, j'imagine. Parce que je l'ai pas vu en dehors. Merci Perion FR pour le follow, bienvenue. Merde, j'ai pas vu ce qu'elle a dit. La vitesse de son augmente beaucoup. Ah bah je sais, bah là c'est fini. Hein. Si en plus j'ai gagné en vitesse, c'est fini. Hein. Au revoir. Ah mais il a que deux Pokémon aussi. Bah ouais. Alors il va me donner la clé ou pas? Mais pourquoi tu m'as parlé? J'étais pas censé me retourner moi. Bah je sais. Hein. Écoute, t'es nul, c'est pas grave. Alors, la concentration un peu quoi. Eh bah je m'en fiche. Parce que je vais aller me cacher. Et vous aurez jamais la clé. Oh, il court trop vite. Où est-ce qu'il allait se cacher? Super, merci beaucoup pour ton aide. Cherchons un homme suspect. Bon, lui, il est pas suspect. Ah, mais il est pas suspect, lui. Lui, il est pas suspect. Bon, lui, il est pas suspect non plus. Cherchons un homme suspect. Si vous voyez un homme suspect, dites-le moi. Est-ce que tu vois un homme suspect? Merde. Regardons. Hein. Lui là? Peut-être? Pas du tout en fait. Pas du tout. Ah. Mais vraiment. Mais il était pas suspect du tout. Mais comment tu m'as retrouvé? Quoi? Tu m'as juste parlé au cas où? Ah, pas la peine d'insister, tu auras pas la clé. Ah oui, vraiment quoi.
Quel enfer, quoi. Bah après, galérer, pas vraiment, il suffit de parler à tous les mecs qui ont des lunettes, mais... C'est vrai qu'il était pas suspect, quoi. Il était pas suspect, mais il était pas allé à 2 minutes. Ah, bien vu, ça, Kilibiki. Bien vu. Là, j'ai pas grand-chose, hein. Pour une fois, j'ai pas grand-chose avec Angoliath. On s'attend évidemment à recevoir une attaque acier, donc on risque Colossandre, qui va pouvoir la tanker tranquillement, et répliquer avec une attaque feu. Yes. Génie. Allez holo, allez holo. Ouais ouais. Défense, défense spéciale. C'est moins bien que tout à l'heure. Double team au passage. Et je dis pas ça parce qu'on a la même. Ah. Voilà, je suis content de l'équipe que j'ai au final. Bon le. J'ai un slot, j'ai Sormoule qui est là juste pour l'évolution. Hein. J'ai un slot qui sert à rien en fait. Inotop. Ah bah je vais rester. Aucun problème. Je vais rester. Bonjour. Au revoir. Hop. Oh le pauvre. Putain, n'empêche, il a changé d'équipe en 2 frames. Et full Pokémon acier. Full Pokémon acier. Ah, c'était bien la peine de changer de Pokémon en courant. Ah bah. Ils sont marrants quand même chez Game Freaks. Ils font des petites refs marrantes comme ça. Eh ben je m'en fiche, je vais me mêler à la foule et vous aurez jamais la clé. Super. Alors attendez. Est-ce qu'il a que des Pokémon acier, autant que je mette Colossandre en lead? Il semble avoir que des Pokémon acier. Il est parti par là. Non mais sérieusement quoi. Ce jeu est génial. Mais comment tu as su que j'étais là? Bah pas grave. Cette fois-ci je vais gagner et fuir avec succès. Quel enfer. Gradure. Ah bah voilà, bah ouais, gradure. Allez, on y va. On le tabasseille. On va le tabasseille. Fouet de feu. J'ai spoté direct, oui. Ché. De fer, ouais c'est pas grave, c'est pas grave. Va falloir que je gigamax mon Scolossand à un moment donné quand même. Hein. Enfin, faut avoir la classe jusqu'au bout quoi. Stylix, Stylix, Stylix. T'inquiète VIP, c'est pas grave, tu sais. Hein. Merci Rasta Rocket pour les 6 mois de sub. Salut Holo pour une fois que je suis libre, j'imagine. 6 mois, c'est beau. Je suis là pour t'encourager. Est-ce que tu danses encore? Ohé, ohé. T'es la meilleure. Attaque, attaque spéciale. Au revoir, Stylix. Ah, il a peut-être fermeté. Hein. Il a peut-être fermeté. Hop. Merci à Rasta Rocket, du coup, pour les 6 mois de sub. Merci pour la demi-année de soutien. Merci beaucoup. Et merci d'être présent. Du coup, tu es disponible, c'est ça? C'est ça que tu me disais? Tu es enfin libre. Je peux ni gagner ni me cacher, mais je peux me barrer. Ah bah non. Il y a un moment donné où ça va se voir. Hein. Pauvre Stylix, le pauvre. Ah bah voilà, fait comme un rat. Enfin, c'est ce que tu crois. J'ai bien trop peur de me faire gronder par Madame Liv pour abandonner si vite. Essaie donc de m'attraper sur mon oreille si tu peux. Non mais encore? Non mais vraiment, non mais... Allongez la durée de vie du jeu. Hé, hey, la team Niel! Allez chercher Nabil! On a besoin de lui pour encercler le fugitif à la gare. On y va, on y va. On y va! Nabil! J'espère que vous appréciez toujours le voice acting. Hein. Je me donne à fond. Non mais ça va le faire. Fuck. Fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. T'as fait un super boulot, Holo. Tellement super que ça m'a inspiré une chanson. Une chanson, c'est tout ce que je peux offrir. Une chanson afin de vous soutenir. Peut-être est-ce inutile, peut-être est-ce futile. Malgré tout, je chante, oh bébé. Will Peterson, Adrien. Oh, c'est Peterson. Il fait une performance de rue, mais pourquoi?
Oh, je suis outré. Mais pour le coup, ce serait plutôt une performance de Ya. Allons voir de plus près. Waouh. Zouk. Oula. Oula, 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 oula. Peterson, on a la clé. On peut prendre le monorail pour aller à la Sheros Tower. Maintenant. Ah, c'était... J'ai confondu les personnages. Excusez-moi. Holo, Nabil, c'est maintenant ou jamais. Allons-y. C'est parti. Au secours. Au secours. Sorry. Oh mon dieu. C'est une belle tour. C'est une belle tour que vous avez là, monsieur. Yes. Attendez, est-ce que j'ai fait mon tri? Excusez-moi, deux secondes. Ok. Du coup. Ah! Excusez-moi! Excusez-moi! Hop. 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 Solus tout ça, hein. Vous inquiétez pas. Tout va bien. Hop, on est bon. C'est donc ça, Sheros Tower! Elle a combien d'étages, cette tour? J'arrive même pas à voir le sommet avec tous ces nuages. C'est quoi le plan? Les copains de la Team Yale sont en train de mettre une rouste aux bourges de la Ligue. Donc on n'est pas prêt de les revoir. C'est pas faux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Holo? Eh ben, on part devant. Oh, tu lui donnes les pensées. On récupère Terrak et on s'arrache. Sans mon frangin, t'aurais pas de maître à affronter. Ce serait embêtant. Holo, t'as déblayé le terrain menant à la Sheros Tower. Moi, je dis, tu devrais continuer sur ta lancée. Liv est une employée comme une autre après tout. Elle a planqué la clé du monorail pour faire plaisir à son patron. En parlant de Sheros, je me demande bien ce qu'il fabrique avec le maître. Le retour de... Oh, vous savez quoi? Non, vous savez quoi? Toute cette adrénaline, ça me rappelle le Smashings de quand j'étais gamin. Il y a eu des concerts live complètement déjantés. On savait plus où donner de la tête. Enfin bref, qu'est-ce que vous faites encore ici? C'est à vous de monter sur scène, allez-y, on vous soutient. Je vais rester ici pour garder un œil sur mon frère. Revenez s'il y a un souci. Ouais, allons-y, Holo. Oh. Yes. Hop. On se regarde un coup. Alors quel intérêt d'avoir des choix dans les dialogues? C'est vrai que Pokémon, c'est le premier jeu à faire des choix qui ne servent à rien. C'est vrai que ça n'est jamais arrivé avant. En plein d'autres jeux. Alors, finalement l'intérêt, bah zéro, hein, mais comme dans les autres jeux quoi finalement. Donc zéro. Hop. Peut-être qu'il y en a un et que tu le sais pas. Ha. J'ai se regardé. Regardons de nouveau. Et on avance. Je dois lui parler ou... Attendez, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là? En vrai, on les connaît. Ah bah voilà. On les connaît, ces salauds. C'est quoi, du coup? Graine électrique? Mais... Ah! Ah! Ah ouais, mais non! Ah ouais, mais non! Attends. Excusez-moi. Deux secondes. Tac. C'est pas noté comme il faut. Ok, comme ça. Salut, F. Demons, comment tu vas? J'ai pris un screen ou pas? J'ai pas pris de screen. J'ai oublié un screen. Tant pis. Et du coup là c'est quoi? Une pile. Bon je vais prendre un screen au cas où mais pile du coup. Voilà. Ok, on est bon. Je m'en sors. Jusqu'à la fin du stream pour avoir mon flamme Yahoo. Ça devrait le faire. Courage Chronos. Et donc du coup si je lui parle là il dit quoi lui? Ouais, allons-y. Allez, on y va. Yes. Ouah, c'est trop stylé ici, c'est immense. D'ailleurs, il paraît que la Sheros Tower est bâtie sur une source d'énergie. Ça veut dire qu'en théorie, on devrait pouvoir dynamaxer nos Pokémon ici aussi. Mais bon, vaut mieux de tenter ça qu'au sommet. Ailleurs, c'est trop étroit. Salut Okami.
Je me demande si cet ascenseur peut nous conduire tout en haut de la tour. Il paraît qu'il y a 100 étages ici, pas moyen que je me les tape à pied. Pour faire un effort, là, Nabil. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Vous ne verrez même pas le premier étage. Ah. Alerte! Des intrus ont pénétré dans le bâtiment. Je répète, des intrus ont pénétré dans le bâtiment. Tout le personnel est prié de chasser ces individus sur le champ. Ah, et j'ai même la permission de Madame Lee, pour vous botter les fesses. Ça sent la belle prime pour moi. Allez, du balai les mobs. Ouais, ouais. MDR. L'oubli du screen, c'est la meilleure running joke du stream. C'est vrai que ça m'est arrivé... Bon, ça m'est pas arrivé si souvent que ça. Ça va. Ça va, en vrai. Oui de feu. Bon, la musique est un petit peu trop derrière, là. On aurait voulu un truc un peu plus péchu, quoi. Elle est loin, quoi. Elle est pas assez forte. On s'est gagné pour l'expert. Yes. Quelque chose. Ah, c'est tout. C'est avec ça que tu voulais avoir une prime. Ah ouais, mais c'est compliqué, là, monsieur, hein. Ah, ma prime, mes vacances de rêve à Alola. Ah, marrant, petite ref. On cherche Shiroz, dites-nous où le trouver. C'est le PDG, donc forcément il est au dernier étage. Prenez l'ascenseur comme tout le monde. Alors, bon, on est plus très loin dans ce cas. On arrive, frangin. Ça, c'est de l'ascenseur, tu peux y aller. Allez, holo, on n'a pas de minute à perdre. Let's go. Wow. J'ai pris aucun screen de l'intérieur. Un screen de l'ascenseur. C'est bon. Faut le prendre pour mon anniversaire le 26. Ah non, mais le jeu est très bien, vraiment. L'ascenseur le plus long du monde. Mais pourquoi on s'arrête? On n'est pas encore arrivé au sommet. Cassez ta gueule. Vous êtes des challengers, n'est-ce pas? Nous vous remercions pour votre participation au défi des arènes de la Ligue de Galar. Cela étant dit, la position de badge ne vous donne en aucun cas le droit d'être ici. Alors du balai les bobs. Nos ascenseurs sont tellement high-tech qu'on peut même y faire des combats Pokémon. Merci Macro Cosmos Construction. Waouh. Bah faut déboîter tout le monde quoi. Oh, cette pause là-bas au bout, c'était incroyable. On va déboîter tout le monde. Archéodong et... Pachiraja, je crois. C'est pas ça son nom à lui? Ah, Charibari, rien à voir. Charibari. Archéodong, bonne nuit hein. Merci de passer, Archéodong. Est-ce qu'on one shot? Oh, c'est tellement beau. Salut Skinou, comment tu vas? Oh, s'il te plaît, ton mouton fait autre chose que Belly, hein. Par pitié, vraiment. Parce que je vais finir par croire qu'il a que Belly, hein. Plaquage. Pas Bélier, hein. Plaquage sur un Pokémon acier, c'est quand même couillu, hein. Force. Visiblement, Strat, c'est pas trop leur truc. Mais le jeu est très très bien, oui. Le jeu, je le trouve vraiment vraiment très très cool, quoi. Oui, il l'a para, oui, c'est vrai. Il l'a au moins para, c'est déjà ça. Bon, ils ont perdu, hein. Angelina. Fabienne. Ouais, la musique, elle est trop loin, je trouve. Il en fait une musique un peu plus... Enfin, plus devant, quoi, plus de volume. Ah, vu qu'on a perdu, vous pouvez rester ici, mais promettez-nous de ne pas déranger Monsieur Shiroz, il a beaucoup de travail. Oui, bien sûr. Les ascenseurs de la tour ne sont en fait que des plateformes sans parois qui montent et qui descendent. Pour éviter les accidents, elles sont entourées de murs de lumière. Ils sont forts chez Macro Cosmos Construction. Hein? Mais les employés de la tour peuvent arrêter leur ascenseur quand ils veulent. Enfin, on va être des semaines à atteindre le sommet à ce rythme. Nos équipes en ont bien bavé, je vais les soigner. On est vraiment soigné toutes les deux frames. Hein. Oh là 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 là, quel enfer! La Shiroz Tower fait 300 mètres de haut, vous êtes actuellement à 150 mètres. Bonjour, je représente Macro Cosmos Assurance. Connaissez-vous nos assurances vie? Connaissez-vous Twitch Prime? Putain, mais c'est trop marrant. C'est un genre de combat, pas du tout. Ok, ouais, ils sont vraiment en mode type acier, hein, donc pour le coup, le Scolossand, je ne le regrette pas. Je vais essayer à parler. On va fouer qui entre les deux? Plutôt Mistybulle, peut-être.
Il est loin le temps où on se ruinait en guérison et rappel. Oui, c'est vrai que... Bah après, je vais pas mentir, pendant l'aventure j'ai quand même perdu pas mal de Pokémon. Il y a pas mal de Pokémon qui sont tombés KO, donc en vrai, bon... Voilà, mais c'est parce que je faisais pas forcément hyper attention et que je savais qu'il y avait pas trop d'enjeux derrière, donc voilà quoi. Clairement, si j'avais fait un Nuzlocke, j'aurais fait beaucoup plus attention que ça, quoi. Hop. Oui, enfin, on essaie de pas spoiler les gens, hein, c'est surtout ça. Évidemment. Parce que c'est pas le tout de... Enfin, parce que j'ai pas... En fait, je sais des choses, mais je vais pas étaler ma science pour spoiler les gens, c'est un peu débile. Ce serait contre mon discours de base, en fait. C'est dommage. J'aurais dû prendre une assurance défaite. Quel enfer. Macrocosmos, c'est dans Yu-Gi-Oh! Ah bon? Et tiens, intérêt à acheter le jeu, s'il vous plaît. Je sais même pas comment je peux répondre à cette question. Est-ce que t'as envie d'y jouer, en fait? Si t'as envie d'y jouer, bah oui, y'a un intérêt. Vous êtes très proche du sommet, mais votre petite vadrouille s'arrête ici, dommage. Le vertige, je connais pas. L'altitude, c'est mon dada. Je bosse pour Macrocosmos Air. Ah. Ah, c'est une carte dans Yu-Gi-Oh! Ok. Marilou, j'espère que c'est le dernier combat. Hein. A priori, oui, c'est le dernier combat de la tour. Très bien. Limon Styx. Alors, on va s'occuper de qui en premier? Peut-être plutôt Stylix. C'est celui qui est, limite, il peut avoir des attaques roche. On va taper Stylix en premier. Limon, je connais pas son moveset, mais de toute façon, c'est un Pokémon plus défensif, donc a priori, on va pas faire grand-chose contre nous, je pense. Hydro-canon, les Argus. T'as appris une attaque, les Argus, c'est incroyable, ça, dis donc. On va enlever Écrase-Face, quand même, au bout d'un moment, ça commence à se voir. J'ai deux attaques haut, je déteste ça, mais bon. Peut-être ça servira un jour, peut-être. La Sheros Tower, c'est là. Ok. Et belle référence. Et on va pouvoir... Putain, mais il paralyse à chaque fois. Il est trop chaud du slip, notre ami, là. Blé. La violence. Non, mais le Scolosandre, quoi. Il a tellement fallu... On a quand même merdé. Hein. On a eu du mal, hein, pour choper le Scolosandre... pour le réussir à le vaincre, le Scolosandre, en raid, là, hier. Donc, en vrai, bon, voilà, c'est mérité. C'est mérité, mais bon, il fallait, quoi. On a bien galéré. Un cache 100% de parax, ce Pokémon ou quoi? Bah, je sais pas, mais ouais, c'est abusé. Vous prenez pour qui à vouloir débarquer dans le bureau du président sans rendez-vous? Seuls les cadres sont autorisés dans les étages supérieurs de la tour. Et seul le président Chiron et son assistante ont le droit d'accéder au sommet. Il a fini à quelle heure le live hier? Il était quelle heure? Il était une heure et demie, non? Un truc comme ça, je crois. On y est presque, courage! Putain, il a encore soigné les Pokémon, quoi. La galère du raid, plus la galère du combat, oui, tu mérites. Ouais, c'était vraiment un enfer hier. Le raid, c'était très complexe. J'arrive plus à parler! On parle trop vite, en fait. Ah! Je pars évidemment mon micro. C'est parti. Bienvenue à l'étage exclusivement réservé au président Chéroz. Nous sommes à 300 mètres d'altitude. Je vois que vous avez su vous défaire de mes subalternes. Impressionnant. Je commence à entrevoir pourquoi Tarak vous a apporté tant d'intérêt. Mais assez joué, il est temps de rentrer chez vous maintenant. Car, voyez-vous, je ne laisserai jamais personne se dresser en travers du chemin de Monsieur Chéroz. Commençons par toi. Oh non. Si je te mets en état de nuire, le maître arrêtera de penser qu'à ce combat de Cibourg et écoutera enfin les sages paroles du président. Livre de Macrocosmos veut se battre, très bien. Un peu énervé la demoiselle, hein. Oula, oui, très énervé. Mon Martic. Trop mignon, mon Martic, j'adore ce Pokémon. Et chez niveau 50. Ah salaud. Ça c'est salaud ça. Ah si je touche pas c'est salaud. Parce que c'est le reflet des... Ah non. Non. Pas deux fois. Châtiment, ok. Combien? J'ai perdu 20 PV. Vous savez, vous voyez pas mais j'ai perdu 20 PV. Mais j'ai encore miss. Mais tu vas... Mais dis-lui toi, dis-lui.
Concentre-toi! Vas-y! C'est bon, maintenant t'as ce qui. Bien joué! Bravo! Bravo! Aveugle man! Un petit insolent, comment tu me laisser au Pokémon? Ah ça va, j'ai mis du temps quand même hein. Quel enfer, Milobelus. Son équipe est trop stylée. Son équipe est beaucoup trop stylée. Ah, par contre contre Milobelus, je dois pas avoir grand chose. Alors j'ai lui qui a méga foué, mais est-ce que vraiment on a envie de tenter ça? Est-ce qu'on disrespecte à ce point là? Oui, la réponse est oui évidemment. Mais ça va jamais tuer, je vais me prendre un hydrocanon et je vais pleurer. Je vais juste pleurer en fait, c'est ça qui va se passer. Regardez, ça va jamais tuer. Oups. Désolé. Arrête, désolé. Sucrène, bah en vrai je peux rester en fait. Totalement resté en fait. Colossand qui est en train de tout niquer. Merci Ninouche pour le follow, bienvenue. Colossand qui a lui tout seul là, est en train de faire tout là. Il y va. Hein. Tellement fort ce Colossand. Donc salut Ninouche. Salut Baka. Besoin d'un détenteur de bouclier pour échanger les exclus de la version. Si possible, quelqu'un qui a fini le jeu et bien avancé son Pokédex. N'hésitez pas à l'aider évidemment. Vu le Pokémon c'était. Salut Riffez. Oh, il a disparu, il s'est vaporisé. Malamandre! Ah, je vais être obligé de switcher, je crois. J'ai pas grand chose là tout de suite pour Malamandre. Malamandre, moi j'ai les Argus quoi. Putain, il va servir! Vous imaginez, les Argus va servir! Ah, y'a pas moyen que je m'en serve pas. En vrai, je vois Big Splash, mais bon, allez, c'est bon. On trouve où les restes? Terre sauvage, mais je me souviens plus dans quelle zone des terres sauvages. Ils sont dans un coin bien caché. Je crois qu'ils sont à. Quand tu rentres pour la première fois dans la terre sauvage, ils sont tout à l'est, je crois. Je crois. Salut Blazo. Comment tu vas? Pierre de précision. Bleu. Paf. Au revoir. Non, son objet fonctionne comme une pierre d'évolution, Ninouche. Miasmax. Alors Miasmax, en vrai, j'ai pas d'attaque psy, j'ai pas d'attaque sol. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se colossandre et on va gigamaxer. Comme ça, vous verrez sa forme gigamaxée pour ceux qui n'ont pas vu les raids du tout. Ou pour du coup, bah, YouTube qui n'aura pas vu. Bah, si, tu l'auras vu pendant un combat. Mais c'était en face. Je crois pas que je vais te laisser gagner. Tiens, vas-y, le mort. Salut Thomas. C'est parti pour les caisses. Vous allez pouvoir voir la forme gigamaxée de Miasmax. Ça va être beaucoup de plaisir, je vous le dis. Hop. Beaucoup de plaisir qui vous attend. Combustion G-Max. Les caisses. Trop stylé. Tu as assisté à l'impossible, admire donc un Pokémon Gigamax! Je viens de le faire en fait. Juste avant là. Le gros truc derrière moi c'est un. Bon. Regardez ça! Il est incroyable! Je le trouve juste parfait ce Pokémon. Il est magnifique. Il est magnifique. Ah! Oh, il a résisté. Au secours. Ah bah je suis tellement mort. Ah même pas.
Mais même pas en fait. Merci Fortum pour les 5 bits. Je fais mon apparition discrètement. Comment tu vas? Ça roule. Merci. Mais du coup il vient de mourir avec l'effet secondaire de mon attaque. C'est incroyable. Cher. Ce combat de ses morts. Prends les photos hein. Oui. Oh elle est tellement deg. Oh non. Comment je fais pour perdre ainsi? Je ne suis vraiment pas à la hauteur. Quelle erreur. T'as pas dû sous-estimer un challenger finaliste. Je comptais vous retenir par tous les moyens possibles, mais après tout, peu importe. Les étoiles levées ont déjà été rassemblées. Tout ce qui compte. Oh, tu gères, Holo. Vous faites vraiment une équipe du tonnerre avec ce Colossandre. Monsieur le Président, je continuerai les préparatifs pour vous. Ah! 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 Bon les mecs, on a mis tout le budget sur les Gigamax. Du coup là, je sais pas comment on va terminer le jeu. Bon, fais-moi un dessin. Et puis on mettra du texte dessus. Allez. Allez, ça part. Tac. Nous en avons déjà discuté maintes fois. Pourquoi refuses-tu du commandant? J'en étais plus. J'attendais plus du maître Galin. Oui. Ah, mais j'ai très bien compris le problème, monsieur le président. Chap, pourquoi vous vous affolez maintenant pour une crise qui n'arrivera que dans 1000 ans? Pourquoi annuler le tournoi? Ça ne peut pas attendre un jour de plus. Mon devoir en tant que maître de gala est de m'assurer que le tournoi se déroule bien. Je le fais pour le public de gala, et un peu pour moi aussi. Décidément, Tarak, tu ne comprends vraiment rien. Oh, les yeux, enfin, regarde notre belle région. Dans 1000 ans, tous ces merveilleux paysages seront ruinés par la crise énergétique. Dans 1000 ans, le public de gala, ouais, auquel le tien tant ne sera plus. Nous avons là qu'il n'y a pas une minute à perdre, encore moins une journée entière. Si nous voulons sauver Galar de son tragique destin, nous devons agir immédiatement. Dans 1000 ans, monsieur le président. Ah non! Dans 1000 ans, monsieur le président. D'accord. Je crois que je vois ce qui vous inquiète. Je vous aiderai. Mais seulement après le match de demain. Bah alors, frangin, t'es jamais venu au restaurant du coup? On s'est inquiété, on a dû te chercher. Ça, c'est vrai qu'à la base, on vient là, juste parce que l'autre, il veut bouffer. Souvenez-vous, hein. Souvenez-vous que si on s'est tapé l'ascenseur de ses morts pour venir jusqu'ici, c'est juste parce que l'autre trou du cul, il a faim. Même Rosemary, Peterson et la Timiel nous ont aidés à venir jusqu'ici. Ah ouais, je suis... absolument navré de t'avoir inquiété de la sorte, mon cher Nabil. Nous avions un petit différent réglé entre adultes, vois-tu? Vous en faites pas, vous deux. Retournez à l'hôtel et commandez ce que vous voulez. C'est le maître qui régale. Putain. Monsieur le Président, j'espère que vous assisterez au match de demain. Ce sera un combat historique, c'est sûr et certain. Historique, dis-tu? On verra. Il se passera quelque chose d'historique, oui. Cela, je peux te le promettre. Salut, Deïde Poule. Le lendemain! Ah, ça travaille avec son téléphone, bravo! Bravo! Bel exemple pour la jeunesse. C'est le jour J, j'espère que t'as bien dormi. Moi, j'ai grave le trac, je sais même pas pourquoi, vu que c'est pas moi qui vais combattre. Holo, le tournoi des champions va commencer. Venez, je vais vous mener au stade. Oh, d'où tu nous parles comme si de rien n'était? On n'a pas oublié ce qui s'est passé hier. Et on peut un pas de plus, et moi et Pyro But, on te rétame. Attendez, y'a mes prendre. Je suis dans le camp des gentils, moi. J'ai entendu parler des événements d'hier.
Madame Liv est vraiment prête à tout pour assister notre président, vous comprenez? Il semblerait qu'elle se soit formée une garde rapprochée qui n'hésite pas à avoir recours à la force, mais je n'en fais pas partie. Tous les employés présents aujourd'hui sont dignes de confiance et crainte. Ouais. Ouais, ok, je suis moins convaincu, mais bon. Avec tout ça, c'est l'heure d'un holo. J'ai trop hâte de voir ce combat. Ouais, moi aussi. Souhaitez-vous que je vous accompagne au stade? Ouais, vas-y, ouais. Ah, je suis moi, je vous prie. Ouais. Alors, faudrait peut-être faire une coupure pour YouTube, là. Juste avant ça. Comme ça, on enchaîne juste derrière. Toute la suite. On va couper la vidéo ici, YouTube. Pas l'événement, je sais pas, voilà, j'ai une petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. On se retrouvera dans une prochaine, du coup, pour les événements qui vont suivre. Évidemment, je ne spoil rien, mais toi, tu sais peut-être déjà, hein, vu que ça sortira quand même dans quelques jours. Voilà. On espère que ça te plaise. Et que tu es hypé, là, parce que là, c'est la fin, là. On y est presque. On y est quasiment, là. Incroyable. À la prochaine, YouTube. Prends soin de toi d'ici là. N'oublie pas les pouces bleus, là, les partages, les abonnements, la petite cloche, le commentaire, voilà. Enfin, tu sais comment ça marche. Des bisous, à la prochaine, au revoir. Et prends soin de toi.